Gauche droite, Cyril Bay. Baba, baba, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Voilà, gauche direct. Parce que Christophe Maé, je l'écoute depuis que je suis tout petit. Je suis un peu un fan de lui, ouais. Et c'est vrai que j'écoute souvent de la musique, notamment dans la chambre avec mon ami Jules Marchand. Et je pense que ouais, Christophe Maé, ça représente bien. Je chante souvent ses chansons et j'aime beaucoup Christophe Maé. Bah, j'aime bien Belle Demoiselle, Mon Paradis, voilà toutes ces chansons-là. Après, c'est vrai que là, je l'écoute un peu moins, c'est parce que ça fait un peu ringard de l'écouter. Et les mecs se foutent de ma gueule, mais je le garde quand même dans mon cœur. Je la regarde, me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire Belle Demoiselle. Ce président en allait, sa démarche lui donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer, yeah, si jamais je m'approche d'elle. Aucun doute, elle s'envole. Je suis pas trop recruté par un nouvel star. Droite là du coup, ouais, parce que c'est tatouage, c'est quelque chose que j'aime bien depuis... Pas depuis petit, mais c'est vrai que depuis l'adolescence, je regarde voilà, les gens qui sont tatoués et tout, c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus, mes tatouages, c'est par rapport à, aussi à lié à ma famille, donc je vais dire à droite. Parce que c'est voilà, c'est un peu ma façon de les avoir aussi tout le temps avec moi, donc c'est les tatouages. Ouais. Oh, holy shit! Wow. Et je me demande qui c'est qui a fait les photos, ouais, parce que il me connaît par cœur. Mais c'est un peu mon péché mignon et c'est ce qui voilà, caractérise un petit peu les repas de famille chez nous. On adore le fromage tous et voilà, je pourrais même faire que des repas presque qu'au fromage. Mais bon, maintenant j'ai calmé un petit peu parce que ça a failli me jouer des tours. Bah, déguisement, ouais. Après, celui-là, il m'a. Franchement, j'ai eu du temps à le mettre en place. C'était pour le premier de l'an. Donc, ça m'a pris du temps et j'ai gagné le trophée. Donc, c'était quand même une belle récompense. Et on a passé une très belle soirée et on a bien rigolé, en tout cas. Et je pense que. Bah, j'adore regarder des films et Very Bad Trip fait partie de mes films préférés. Et Alan, je l'imite souvent. Même pas déguisé, j'essaie de l'imiter pour faire rigoler un petit peu tout le monde. Mais en fait, au début, je voulais prendre le petit de ma sœur, mais elle a pas voulu. Parce qu'elle a eu un peu peur que la soirée se finisse un peu mal. Mais voilà, j'ai préféré prendre un bébé qu'on a acheté dans un centre commercial. Why can't we remember a goddamn thing from last night? Bah, gauche, ouais. Cali, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je le connais aussi depuis un petit moment maintenant, depuis qu'on est en espoir. C'est vrai qu'on s'est souvent au téléphone, et c'est aussi un ami. Et il me conseille surtout dans la vie de tous les jours, même s'il me conseille aussi sur le rugby, mais c'est quand même plus un ami qui, voilà, avec qui je parle de tout et de rien, que, plus que de rugby. Donc voilà, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Cali, c'est sûr, c'est quelqu'un qui compte, mais Juju, c'est comme mon frère depuis que. Voilà, c'était un petit peu la légende vers chez moi. Je me rappelle, tout le monde me parlait de lui, d'un phénomène. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour moi et que. Bon, il est à côté, donc je ne vais pas trop lui passer la pommade dans le dos, mais c'est comme un frère pour moi. Tu vas me faire chier le rocker. Ben voilà, ça, ces deux photos un peu côte à côte, c'est sûr que quand je vois juste ça me fait quelque chose parce que c'est sûr qu'on l'a levé le bouclier cette année, mais Jules était malheureusement blessé, donc voilà, j'étais content de le lever, mais j'aurais aimé le lever aussi à ses côtés. J'espère qu'on aura l'occasion de le relever. Je vais dire gauche parce qu'à droite, c'est sûr qu'on a déjà gagné le bouclier. C'est sûr qu'on aimerait le regagner. On sait les efforts qu'il faut faire pour le gagner. Mais à gauche, c'est vrai que c'est un objectif à long terme pour
pour Toulouse, c'est sûr, nous les jeunes, on a envie de, voilà, de, sûr, de gagner des titres. Mais on sait aussi que ça passe par énormément de travail et de réussite. Donc voilà, ça reste un objectif et ça serait, c'est sûr, un rêve de gagner la Coupe d'Europe. Sachant que le club, voilà, a une histoire particulière avec l'Europe. Donc voilà, ça reste un objectif et je vais choisir gauche. Are you listening? Damn.